Bonjour, Mbote. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une jeune petite fille qui va naître et qui, après plusieurs années, fêtera ses 6 ans d'anniversaire. Et bien, cette petite fille s'appelle Maïlan Bena Toko. Pendant notre histoire, à chaque fois que je vous dirai Maé, vous allez me répondre l'âne. Maé, l'âne. Maé, l'âne. Benatoko vient de naître. Quelques années après, elle a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, tous ensemble, nous sommes réunis. Le père de Maïlan Benatoko était un grand chasseur de lions. Maïlan Benatoko, elle aussi, voudrait devenir chasseur de lions. Mais à chaque fois, son père lui dit: Maé, l'âne. Maé, l'âne. Maëla. Ce n'est pas à 6 ans qu'on devient chasseur de lions. Il faut le double de ton âge pour tuer un lion. Alors, Maï pleure. Alors, Maï pleure. Maïe, l'âne. La veille de la chasse au lion, Maï supplia son père. Papa, laisse-moi venir avec toi. Je n'ai pas la peur en moi. Non, Maé, ma fille. Ce n'est pas à 6 ans qu'on devient chasseur de lions. Il faut le double de ton âge pour tuer un lion. Ta place est au village auprès de ta maman et des autres enfants. Alors, Maï pleure. Ses larmes sont amères. Puis soudain, elle ne pleure plus. Le père de Maé, Toko, ira seul avec ses amis le grand jour de la chasse au lion pour tuer le vieux lion Tchabi qui a mangé tant de gnous, de gazelles et des brebis. Le père prépare les armes.
Maï retient ses larmes. Maï ne pleure plus. Elle sèche ses larmes. Dehors, le soir tombe et dans la case, il le fait sombre. Sa mère prépare le feu. Maï a une idée. Ce soir, sur la rivière, petite lumière, reflet de la lune à l'horizon. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres. Ramène mon père à la raison. Maï, l'âne. Le vieux lion Tchabi rôde autour du village. Il a faim. Il est mauvais. La nuit, quand les feux s'éteignent, le vieux lion Tchabi s'approche des cases. Dedans, ça sent l'homme et ça sent bon. Maï glisse dans l'ombre de la nuit. Il a pris la serpe de son père. Il le file dans la nuit. Il est plus petit que les herbes de la savane. Les grands animaux le sentent, mais ne le voient pas. Maï entend les mille bruits de la nuit. Maï, l'âne. Elle creuse profond. C'est tout près de l'eau. Elle creuse toujours. Bientôt. Le trou est plus profond qu'elle. Elle creuse la nuit. Le trou est noir. Et lorsqu'elle ne le voit plus, elle s'arrête de creuser. Au-dessus de sa tête, il y a la lune. Elle se hisse à la surface, cherche des branchages, des herbes plates, de feuilles. Elle en couvre le trou et fait un piège magnifique. Elle rajoute de la mousse, des écorces, de la terre. La lune a disparu. Bientôt, il fera jour. Maï, l'âne est parvenu à emprisonner le vieux lion Tchabi. Son père est arrivé avec les autres chasseurs et Maï, l'âne a demandé à son père. Père, ne peux-tu pas libérer le vieux lion Tchabi, s'il te plaît? Qu'il s'en aille dans la savane, là où il a l'habitude de vivre. Son père libéra le vieux lion Tchabi, qui est retourné dans la savane, là où il a l'habitude de vivre. C'est ainsi, bon an, mal an, qu'une enfant de 6 ans est devenue une chasseuse de lions. Joyeux anniversaire, ma fille. Sois sage. Je t'aime. Ton père. Je l'attrape par la
je me dis, tromper la dolive, tomber la dolo, ça fera un escargot.